Et bien salut mes petits loulous, c'est Gleska et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour du Shadow of the Tomb Raider. Et j'espère qu'on va avoir du gunfight parce que là je commence vraiment légèrement à me faire chier niveau combat. Wamatakani kakale, Janu Jantala Suktal Jetel Ukil El Kiko. Walkila, Shenacho Avar. Quick! Enfin un peu de combat. Enfin, des ennemis surtout. Je suis sur la bonne voie. Oh ça, vous avez mis un ennemi. Juste un ennemi. Attention. Eshipalchuko, Sorokwautan. Takbelama. Maukatuyal, Tushkutaki Kuba, Lekushul Makobo. Waksakola le nonor. Bale Mishbal ubelal. Yankoksik tuyole kukulkan levejo. Minha. Mi. Mashane yambashu yuhel. Jan impacti. Yambashkelan. Le cuchi la soc uhanilta. Hashkelan le bala. Je suis pas en bonne position là. Lol. Allez, voilà, enfin un peu de thunes quoi. Franchement, le meilleur moyen de se faire des thunes dans le jeu, c'est de tuer les gardes et le jeu y met quasiment aucun garde quoi. Bon, on va voir, hein. Le problème, c'est qu'on est quasi à la fin du jeu, là. Je crois que c'est là. J'ai pas assez de place pour ça. Eh oui, t'as pas assez de place pour ça, parce qu'on fout rien. Voilà la porte que je dois ouvrir. Oh merde! Ah ok. Ok, ok. What? D'accord, mais corps à corps sert à rien. Génial. Ouais, d'accord. T'as de la chance. Ah d'accord, par contre des... Ils tirent super vite, hein. Je disais, indulgent, oui. Maintenant, je dois ouvrir cette porte. Ça fait toujours mal avec moi, de toute façon. Le mécanisme de la porte doit se trouver en haut de ce mur. Par contre, on va faire quand même gaffe sur les munitions, parce que là, on est quand même dans une zone où est-ce que techniquement, il y a... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça. En haut de ce mur. Hop! Chocolat, Galantville.
Jonah. Comment va Edsley? Ça va, ils l'ont libéré. Mais Unuratu a été capturé. Oh non. Et toi, ça va? Ouais. Je pars chercher la boîte. Je sais pas quand je reviendrai. Fais ce que tu dois faire. Merci. L'œil du serpent. C'est bien lui. L'œil du serpent. Quoi? Non, vous allez pas me dire quoi, j'ai fini le jeu là quand même. Je me sentirais un petit peu insulté si on avait fini le jeu, honnêtement. Hein. Ouais. J'ai failli tomber quand même. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Non, tout est plein. Impossible. Tout est plein. Tout est plein. Je peux plus rien transporter. Bon, pas qu'on faut y aller. Faut aller où? Descends. Non, c'est sacrément que ça t'accorde, hein. Comment ça, je suis plein en soi? Putain, mais on passe notre vie sous l'eau là ou quoi? Ça vaut quoi ça? Ok, ça vaut rien. Merci. Mais pourquoi la caméra est allée en arrière là? Oh, c'est une blague là. Allez, hop. S'il vous plaît, dites-moi au moins qu'il y a un boss fight intéressant. On dirait qu'il y a un temple un peu plus bas. Par contre, pour les panoramas, là, c'est sûr, il n'y a rien à redire. Hein. C'est juste magnifique. À cause de moi, ils tiennent Unuratu. Qu'est-ce que Dominguez va lui faire? Tant qu'il aura besoin de la boîte, elle restera en vie. Merde. J'espère. Donc, les yeux, le cœur d'un grand animal. Non, mais ça, je m'en fous. L'instinct de survie dure plus longtemps après. Ah putain, j'aurais bien voulu avoir plusieurs sources, mais bon. On va faire avec, hein. Ajoute un emplacement de fusée éclairante à tous les pistolets. On passe au PME. Mettre le feu aux ennemis. Intéressant ça. Pourquoi j'ai pas allé là-dessus? Du coup, faut aller où? Voilà. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Tu pourrais te taire à chaque fois que j'essaie de prendre un truc et que tu me dis que c'est plein. Parce qu'à force, ça devient gonflant. Qui a bien pu faire ça? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. C'est haut. Mais je peux plonger. Ok. Bon, et ben, c'est parti. Attends, je prends mon... Wow. Oh, j'aime bien des piranhas, si c'est quelqu'un vient les visiter. Je vous en prie, mais moi c'est mort. Oh putain. Oui, je sais, je déteste ce genre de passage.
Bon, ça va. Corde. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Bah oui, hein, sinon c'est pas drôle. Hop, encore un. Ouh, des shorts. Allez, Lara. Ah, génial. Le casque. Et pourquoi y a des Wendigo dans le jeu là? C'est seulement un bruit. Ah, je suis pas sûr que ce soit seulement un bruit à faire ça. Ça me rappelle un petit peu les monstres d'Uncharted 2. Bah non, c'était Uncharted 2 ou Uncharted 3, je sais plus. Mais bon, faut toujours qu'il y ait des monstres, bien sûr, hein. On peut pas juste affronter des humains et basta, hein. Ah mais non, c'était Uncharted 1 en fait. Oh, je sais plus, ça remonte trop loin Uncharted, sérieux. Uncharted. Bon, de toute façon, je pense que je me suis déjà un peu fait une idée de ce que vaut le jeu. Ouh. Ouh. Fusil à pompe. Bon, tu le ramasses ? Pourquoi je sens qu'on va en avoir besoin? Ça doit être les soldats des Trinitaires qui ont disparu. Ouh, non. Quoique, attendez, il est améliorable. Donc c'est un shotgun. Attendez, par rapport à ça... Celui-là fait plus de dégâts. Mais il est pas améliorable. Putain, mais c'est super. Attendez, vous êtes en train de me dire que dans le jeu on a si peu d'armes? Non. Vous foutez de ma gueule là quand même. Vous allez pas me dire que dans le jeu on a tout cassé une dizaine d'armes quoi. On en avait plus dans Rise. Pas mes souvenirs. Ouh, du sang. Qu'est-ce qu'il y a, une soupe? Une petite souplette. Ça a l'air tellement délicieux. Ah.
d'autre. LOL. Ça va, mitraillette est plus intéressante qu'un shotgun. Massacre là, j'ai même pas. Oh là, faut que je bouge. Putain, ça a pas été bien difficile hein, de les flinguer. Tiens, pour des ennemis qui sont supposés faire peur, vous êtes pas spécialement peur hein. Au-dessus de nous. La profite pour me gratter. Ouais. Je sais, ma vie est super intéressante. Oh. Ça devrait pouvoir tourner. Il y a quelque chose qui bloque. Oula, d'accord. Ouvre la caméra. Je t'aime bien la caméra, t'inquiète pas. Ah non. Pas que l'objectif c'est d'aller dans l'espèce de trou là. Je vais devoir le tourner moi-même. Wow, d'accord. Ah, je sais pas pourquoi les animations parfois elles sont vraiment pas terribles. Hein. Oh yeah. Ça alors, y a quoi derrière cette porte? La bite. Encore plus de folie. Bon. Je sais que je suis un petit peu en train de zapper toutes les ressources du jeu. La boîte est peut-être là. Ishell et Shackshell qui protègent la boîte. Hmm.
Adèle. Ne me forcez pas à aller sur vous. J'ai pas assez de place pour ça. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Bon, t'as bien roulé. Vous rendez compte, je ne peux même plus looter les ennemis, quoi. C'est fou, non? Par contre, c'est vrai que quand ils te touchent, ils font super mal, ces enfoirés. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Oui, c'est bon, on a compris. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Ah non, d'accord. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau. Tais-toi, Lara, merci. Ah mais non, attendez. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Compris, c'est bon. Alors tu dis qu'il faut que tu arrives à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Le problème, c'est que là, le câble, il empêche tout bonnement le truc de passer. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Cool. Ça propose de faire un saut, là. Apparemment, c'est merde. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Oui, on avait compris, Lara, merci. À moins que... non, en fait, d'accord. Je mets la plateforme là-bas. Comme ça, logiquement, je pourrais sauter. Bien logique. Yes, c'est bien ça. Voilà. Hein? Allez, casse tout, Lara. Pardon. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à... Oh, la ferme! Maintenant qu'on a ça, on peut faire où? On peut faire techniquement. On va sauter ici. Bon, c'est là que ça devient marrant. Enfin, on avance. What? Oui, voilà. J'y suis presque. Yay! Mets la paparte. Mais ils sont... Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais peur? Qu'est-ce que j'ai eu peur, dis donc! Ah,
Oh mon dieu, quel combat terrible j'ai vécu. Oh là là. Deux portes, évidemment. Mais ça doit être la dernière. Hein ? Ah, d'accord. D'accord. Tiens, ça me rappelle quelque chose, bizarrement. Je sais pas vous, ça me rappelle un passage dans certains Tomb Raider. J'ai... Oui, t'as déjà vécu ce genre de truc. C'était sur le Tomb Raider normal ou sur le Rise? Ce passage est totalement repompé d'un des Tomb Raider. Je m'en souviens très bien, ça, le pire. Parce que quand tu fais ça. Ah, d'accord, les effigies. Hein. Sûr que ça vient de Rise. Il y avait quasiment la même énigme. What? Agressif, quoi. Le problème c'est qu'ils font même pas peur en fait, ils font juste super mal quoi. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Lara, tu peux dire autre chose parfois? Ah si, on a vite peut-être par là, mais bon. Il faut juste que je puisse trouver... Ah. Et là, on... Ah, là, ce qui est sûr, c'est que toi... Ça tourne pas. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. C'est une blague. Pourquoi ça tombe pas? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Oui, là, on a compris. Pourquoi ça tombe pas? Là, mais l'autre ne tourne pas. Ça me perturbe parce que là, avant... Ça tourne pas. Pourquoi ça tourne pas? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Non, on a compris, Lara, s'il te plaît. Comment tu me dis que c'est ça, je rigole. C'est genre, ouais, il faut juste se mettre sur la plateforme et tirer un coup de shotgun dedans, je rigole. Faire péter ça. J'ai pas de grenade hein, aux dernières nouvelles là. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là. J'ai fait couler l'eau jusqu'à là-haut. Alors, on peut pas grimper, on est d'accord. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là-haut. Le jeu, j'aimerais bien un indice là par contre, parce que là.
me donne pas des masses, hein. Je pourrais juste techniquement prendre mon pistolet et... même ça, et tirer dedans, mais apparemment... t'attends autre chose de moi. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Pourquoi ça ne rentre pas? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Là déjà on voit un truc hein, c'est que bah techniquement on peut pas aller dans les autres zones, c'est plus ça. On peut constater là-dessus non plus. Alors pourquoi est-ce que la dernière fois quand j'étais sous l'eau t'as bien voulu taper avec ton piolet sur le truc et là tu veux plus? Logiquement, elle devrait pouvoir péter elle-même. Alors, c'est quoi cette embrouille? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Absolument pas ce que tu attends de moi là, honnêtement. Hein. Je ne peux pas monter sur le truc, je ne peux rien faire. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Je n'ai pas d'explosif sur moi, à moins que. Il y aurait un truc qui traîne dans le coin. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Je ne peux pas monter, on est d'accord. What? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça devient légèrement problématique là. Non, ça peut pas être ça. Non, c'est pas ça. Je me suis dit qu'en fait, il fallait prendre ce truc pour pouvoir... Bon, je reviens. Bon, allez. La solution est évidente, enfin évidente, c'est comme on veut le voir, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc en gros, Lara est incapable apparemment de casser ce pilier en bas sans avoir de l'eau. Est-ce que vous ressentez vous aussi la légère débilité de cette façon de penser? Lara a impérativement besoin d'être sous l'eau pour pouvoir péter ce machin, quoi. Est-ce que vous trouvez ça logique? Sachant qu'elle utilise un piolet, quand même. Hein. Oh, et là, je suppose. Faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la roue. Oh là. Aïe. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la fin. Enfin. Oh mais putain, il est où? Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à la fin. Ah là, yeah.
Oh, les animations de merde. Pas pour vous. Il faut que j'arrive à faire couler l'eau jusqu'à là-haut. Mais je m'en fous là. Regardez, je me défends un peu. Tu permets que je te défende surtout. Voilà. Je dirais ces créatures, mais elles sont magnifiques. Yashil, déesse de la protection. La boîte d'argent d'Ishel fut forgée au paradis et portée sur terre. La boîte vient de ces créatures. Ni les faux dieux, ni les fanatiques n'auront le droit de passer. Ils protègent la boîte. C'est pour ça qu'ils m'ont combattu comme ça. Là, ils gardent la boîte jusqu'à la renaissance du soleil. Là! C'est forcément là! Une éclipse et un héron, comme les tatouages de Noratu. Mais où est la boîte ? Non, une secousse. C'est une blague. Genre il m'a touché à la fin et alors elle pouvait pas. Comment ça fait que je sprint pas là? Ils sont trop nombreux. Et Lara, sprint s'il te plaît. Te demander de sprinter. Oh.
Ouais, ils vont se calmer là avec leurs flèches. Non mais... Ouais, on va encore s'éclater. Sous l'océan, y a jamais rien de mieux que d'être sous l'océan. Ouais, bah dis donc, elle a une sacrée apnée Lara quand même. Hein. Ça y est, j'ai réussi. Mais à quel prix, Lara? Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On peut toujours prendre des choses, Lara. Allez, continue. Bouti, 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 ça c'est le petit joli bouti, ce petit joli bouti, tout. Et ouais! Ah, je vois le marchand encore. Allez, on resserre les boobs. On resserre le cul aussi. Tu sais que t'aurais pu juste monter par-dessus, basta. Je peux m'en servir pour grimper hors d'ici. Ben vous savez quoi, on grimpera d'ici au prochain épisode. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la houii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 i